Wakai Production. Allô? Oui, mon cœur. Tu es devant la porte. Ok, d'accord, j'arrive. Tu as changé. Comment? Tu as encore devenu jolie. Oh là là. Oui. Tu es l'ange. Oui, tu connais l'ange. Mm-hmm. Voilà. Quand il te voit comme ça là, il ne contrôle plus. Tu vois, lève-toi un peu. Mm-hmm. Ah, tout le temps comme ça. Mec de, tu es ma viande hachée. N'est-ce pas? Mm-hmm. Oh. Bienvenue chez moi encore. Merci. Tu es venu faire quoi ici? Tu es sorti, non? Tu devais rentrer maintenant. Tu fais quoi ici? Tu as dit que tu partais te balader avec tes amis, non? Ben, c'est qui cela? C'est mon salopard de frère. Mambo! Pose tes fesses au sol. Tu m'appelles Tombo. J'ai déjà bu quoi chez toi? Mets les histoires que tu appelles fesses au sol. Jusqu'à y mettre un gars. Ma viande hachée. C'est comme ça que vous accueillez. Oh, arrête ça! Viande hachée, c'est là, tu es cuisiné. Et viens t'asseoir ici. Faites comme ça là-bas. Je te demande, ça c'est qui là-bas? Tu es obligé de savoir que ça c'est qui? Je suis obligé de savoir. Toi, tu viens de mépriser mon gars, je dois savoir qui elle est. Gars, où tu es? Ne me parle pas comme ça. Je dis que toi, on t'a pas appris les bonnes manières dans ta famille là. Toi, c'est d'abord qui? On m'a pas présenté à toi. Par exemple. Donc pourquoi elle doit me présenter? Wanda, j'ai pas les détails. Tais-toi. Tu viens chez les gens, tu parles n'importe comment. Et c'est qui est l'air de tout le monde? Ouais, mais laisse. Une l'air de chaud, tu fais ce qu'elle me parle. Laisse. Ça, c'est les croquettes. Les choses artificielles que tu as ces cheveux-là, je vais te découper ça. Ne me parle pas chez moi. Je parle pas. Tu peux faire quoi? Laisse. Les Parisiens ne parlent pas n'importe comment aux villageois. Et n'a pas vu la haine, la pas encore. Si tu mais, ta... mais il y a quelque chose que je ne comprends pas depuis. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est pour ça que moi, Joe, je dis que le Kalakala, c'est un mauvais esprit. Parce que ton frère, c'est là, c'est un mauvais esprit. Je ne sais pas si c'est qui sort du village, si c'est qui sort d'où, je ne sais pas. Parce que c'est un peu comme si son cerveau disjoncte un peu. Lève-toi, tu parades beaucoup. Lève-toi, viens ici là. Je te montre que je suis ton grand frère. Viens comme ça là. Je parle avec le respect. Toi, tu m'as regardé pourquoi? Je te regarde pas pourquoi. Non, mais elle est laide. Tu me fais ici. Et tu. Toi, tu m'aimes d'abord que j'ai une femme. Regarde. Les cartons sont devant la chambre. C'est pourquoi tu m'as appelé? C'est toi là-bas. La chèvre que tu as apportée là, c'est qui? Et je ne te permets pas. N'appelle pas mon gars la chèvre. Ça, c'est le gars. Bref, je ne veux même pas parler parce que moi, je suis là. Moi, je suis objectif dans ma vie. Il va parler des trucs, des trucs, des trucs bizarres. Oh, le bébé, regarde comment il est belle. Regarde comme il est fou. La parisienne. Et si ton gars, il va te. Bref, c'est pas le sujet. Toi, tu viens avec lui maintenant là, c'est pourquoi? Toi, tu sais que moi, j'ai quel contrat avec elle. Tu avais dit que tu devais sortir, tu devais être ici là. Mais je suis sorti et je suis revenu, je dois la charcuter où elle est là. C'est ton problème, tu dois le dire. Écoute, moi, je ne veux même pas avoir tous les causeries avec toi. Parce que où elle est là, il doit la charcuter. Donc. Ton machin là et toi, libéré. Attends, tu vas croire. Tu vas croire. Je crois, je like, je partage et je commande. Ok. Tu vas voir que ta vidéo va se supprimer. Il n'y a rien à faire. Je te parle, tu me donnes le côté. Donc tu me regardes pourquoi? Je regarde quoi sur toi? Tu as la voix quoi? J'ai le sens que ta femme n'a pas. Pardon, je dis plus ça, parce qu'on peut te taper en route comme ça, c'est les seins ici. Les cuisses, ce sont les seins. L'abcès, tu dis que les seins, c'est les seins ici là. Regarde sa bouche. Quand tu vois. Bouche comme le maquillot. Regarde-moi celle-ci. Quand tu vois là où ma femme, mannequin, tout taillée, tu peux être comme elle. Tu es là, tu bavardes, tu m'as. Quand tu vois mon gars, grand de taille, il a fait bien frais, chaud. Il demande. Ça sonne dans ta tête là. Comment se fait-il même d'avoir que toi tu viens avec le gars à la maison?
Donc tu penses que mon mari ne va jamais connaître où je reste? Même s'il va connaître où tu restes, c'est d'abord que l'habitude que tu te sors d'abord d'où que c'est le gars qui vient chez toi. Alors que c'est toi qui dois aller chez le gars. Il est venu pour voir où j'habite. Point final. C'est quoi? Tu pouvais l'accueillir là à l'entrée, non? À la porte, non? Et puis c'est bon, il sait que c'est ici que tu habites. Après il rentre, non? C'est la chèvre. C'est une chèvre d'abord. Eh, pardon, eh, arrête ça. Ne m'énerve pas, eh. Attends, petite soeur. Donc, comme tu touches les plantes, non, mais là, tu me parles mal. C'est ça, non? Eh, pardon. Regarde-moi très bien. Tu vois, mon gars. Tu es d'abord cool comme la carrière de Mimomi Manibé. Hey! Comme moi, Joe, je suis cool comme la carrière de Mimomi Manibé. Tu as vu ton gars? Ton gars est géant. Il n'est pas géant, il n'est pas géant, mais il est long. Lui. Lui, au moins, il ne porte pas les habits de 500. Bébé, s'il te plaît, dépêche-toi. Bébé, tu es où? Oui, je suis là, Mais fais vite, non? Oui, j'arrive. Tu vois, il veut déjà. Le temps, on joue tout le temps. Tu penses qu'on a ouvert les hôtels, le motel là pour qu'il y ait fou? Allez là-bas. Le temps, c'est de l'argent, s'il te plaît, chérie, je t'attends. Oui. Non, bébé, je suis là, je te dérange pas. C'est que il faut arranger le tatami. Comme tu es là, il faut libérer. J'ai l'impression que tu as les filles de mémoire. Je te rappelle que maman a payé la maison, c'est là pour nous deux. Donc ne m'énerve même pas. Et si je continue, je vais appeler maman. Elle. Le grand frère, c'est qui? Ça veut dire quoi? Bé. Oui, bé, j'arrive. Fais gaffe, Peter. Je dis que c'était très mal. Moi, je te dis là. Mon bébé. Pourquoi tu as mis tant de temps? Non, c'est qu'il fallait que j'aille. Pousse là-bas! Hey, prends-le comme le champignon. Bon, c'est fait, il faut que je parle. J'ai dit que je vais pas. Raconte-le, raconte-le. Je me mets pas à l'aise. Oui, mais attends, le problème, c'est que. Je sais, j'ai peur. Tais-toi! Si tu ne me parles pas comme ça, là. Tu là, tu nous prends les lèvres. C'est même ça, mon commande. Mais il te menace, tu te prends. Toi, tu parles ici, là. Il te pointe du doigt, tu non, qu'est-ce qu'il parle même? Mais il faut le foutre à la porte. Non, c'est que moi je suis un diplomate. Toi même tu sais que moi à la base, moi je suis un diplomate. Moi j'ai les trucs. Tu connais dans le calmement. Tu vois un peu. Bon, comme tu m'as dit tout à l'heure, là, que le temps, le temps. Comment je réussis sur le temps? C'est que j'ai envie de travailler. Et d'ici, attends, tu connais la piste là. Quand tu comprends comme ça là, tu connais la piste là. Que dans ces. Mais toi, si tu ne peux pas m'éduquer, là, c'est pour le son. Tu peux le dire. Mais tu as fait les gestes, non, comment c'était bien. Et quand on va faire ce soir-là, hein? Ils vont partir à quelle heure? Calme-toi, imagine ils vont partir là, disciples. Disciples, c'est quelle heure? Tu connais mon programme. Ouais, non. Imagine c'est mon qui nous envoie. Imagine comment? Imagine non. Bon, attends. Tu es là avec qui? Mon beau! C'est que moi non! Moi que tu vois ici, elle connaît. C'est seulement parce qu'elle a dit qu'elle a voulu faire un genre, j'ai voulu la regarder. C'est ma petite soeur. C'est que toi, quand il t'a vu à la base, tu es un beau, ça dit que tu es valable, tu es sûr, tu mues, tu pues, tu as su, tu cabules. Est-ce que vous, tu n'as pas envie d'aller prendre une bière de valable? Il faut arrêter la sorcellerie. Hein? Quand tu le regardes là, il t'a dit qu'il a soif. You wonder. Bon, tu n'as pas de joie. Elle a, toi, il sait que tu as soif. Elle est valable, je n'ai pas soif. Peut-être soif, mais de lui. Alors, voilà. Oh, mon beau, toi d'abord le sourire de Brad Pitt. Il dit que, il y a, voilà, la fille sinon elle aime les shawarma, il y a un tube là. Il dit qu'à 100 mètres d'ici, le shawarma qui te tape à 1000 francs, c'est la magie. Va, peux-tu lui proposer ça, elle va accepter. T'as quoi, une quoi? Voilà. Hein? Non, elle n'est pas avec elle. Laisse même d'abord ce que j'ai envie. J'ai dit qu'on ne parle pas. Je ne veux pas le shawarma maintenant. Ha. Voilà, elle a un problème. Même ses ongles. Oh, je ne veux rien. J'ai seulement besoin qu'il sorte de moi, c'est tout. Ouais, il ne veut pas. Voilà. Moi, non. Moi, c'est un gars, il voit loin. Et quand moi, je te regarde là, c'est comme si tu n'as pas bien fermé ta porte. Il y a quelqu'un, apparemment, il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. Va une fois avec elle, là, ça, vous allez faire ça. Ça sera l'arme fatale, la force de frappe. Si c'est un voleur, vous devez vous le taper. Allez, allez une fois, allez déjà. Oui, allô, maman. Allez. Ok, ok. Comment? J'ai dit, maman est déjà donc, elle est couchée. Attends, bon, attends, non, comment tu m'as pas dit? Attends, je rappelle que tu, moi-même, je vais te ramener à l'heure. Il appelle. Elle est déjà là. Donc, si tu veux m'accompagner, sinon moi, je vais seule. D'accord. Bon, on se voit après. Du coup, on va essayer de faire ensemble. Oh.
C'est quoi que tu tues seulement comme ça là? Tu ne peux pas demander la permission. Quelqu'un là-bas, viens ici là. Ting ting. Comme si on avait gâté ton cerveau. Chèvre d'eau douce. Mouf. Poisson de montagne. Ting ting. C'est la magie. Il me demande si ton cerveau là est normal. Alice. Pourquoi tu ne veux pas mon bien? Pourquoi tu ne veux pas? Tu t'es le but combien de moyens de draguer la fille ici? Pourquoi tu ne veux pas mon bien? Tu sais le but combien de moyens de draguer la fille ici? Quand elle venait ici là, que le fille, je volais ta connexion là, la fille avec qui je causais, elle t'avait dit ça, c'est elle. Les enfants de Bobo, tu sais qu'elle va encore avoir comme ça, c'est peut-être rendez-vous dans 6 mois encore. Comme elle est partie là, elle est. La viande, regarde la viande que tu me fais rater, regarde la viande que tu me fais rater. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es en noir cœur? Pourquoi tu es en noir cœur? Tu veux faire maintenant comment la regarde? Moi, je ne savais pas. Excuse-moi, je m'excuse. Bon, excuse-moi. Excuse-moi, non. Je t'excuse. Je t'excuse. Excuse-moi. Ok, ça va. Allons. Merci. Je suis content là. Oh. Mon beau. Oui, mon beau. Ouais, tiens, gassi. Mm-hmm. Mon beau, chaud, le problème. Oui. Tu es avec la Gilsinée. Mm-hmm. Ça, c'est ma petite soeur. Je l'encadre bien. Mm-hmm. Moi, je l'aime comme ça. Tu vois, c'est que tout à l'heure, là, j'étais un peu. Le mauvais esprit parfois m'anime. Mm-hmm. J'ai dit ça. Ton frère, c'est là. Non, j'aime toujours ton frère, si. C'est que d'abord, au commencement, là, il faisait comme si c'est pas normal. C'est ça. Oui. Donc, c'est ça, mon beau. Tu m'en mets un point. Non, c'est. Tu vois ta soeur, cela, non? Oui. Je l'aime comme Paul Bem le pouvoir. Okay, d'accord, c'est oui, bon. Je l'aime comme un policier camerounais, la corruption. Oui, c'est ça. Oui, c'est tu bon. Vois, non, dans mon bout, quand il te voit comme ça, là, tu as un peu soif. Oui. On part, il te donne la bière. Si tu veux, il te donne même 6 casiers. Ok, tu as soif maintenant? Non, je n'ai pas soif. Toi, tu as soif. Donc... Ok, d'accord. Mm-hmm. Faites comme ça, là. Hein? Mon petit, il est temps, sinon. Il n'a même pas un peu soif. Parce que ce que vous venez de me faire là, même la soif, non, je n'ai plus soif. C'est-à-dire que rien ne peut étancher la soif que j'avais là tout à l'heure. Parce que la personne qui pouvait étancher la soif que j'avais là tout à l'heure, elle vient de partir. Vous venez de la faire partir. Donc vous êtes l'appétit. C'est-à-dire que si tu ne veux pas un truc, c'est-à-dire que si tu ne veux pas un truc bizarre, pourquoi tu là, je dis que tu me fermes la gueule là. Il parlait de quoi? Hé, donne. Petit, ton cerveau là va bien. Ton cerveau là. D'abord, où je suis là, non, petit frère, moi, je n'aime pas trop le bagage. Là où je suis là. Ce qui va se passer là maintenant, c'est que ce que la fille là devait me faire, vous allez me faire ça. Vraiment. Ok. On va te faire ça. Oui. Shot by Mr. Boakai Solomon. Boakai Production. Salut la famille de Boakai Solomon Comédie, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien, voilà, moi je vais bien aussi. Aujourd'hui c'est une journée pas comme les autres. Il y a un problème qui se pose, c'est que plusieurs personnes m'appellent, on me demande toujours comment faire pour s'abonner sur la chaîne YouTube de Boakai Solomon Comédie. Parce qu'on aimerait voir ses vidéos, les vidéos de Boakai Solomon Comédie et tout. Aujourd'hui je suis là pour ça, c'est très simple. S'abonner sur la chaîne YouTube de Boakai Solomon Comédie, c'est comme bonjour. Voilà, on commence d'abord par avoir un téléphone Android, c'est-à-dire un téléphone Android comme ça, ou alors un téléphone Apple, c'est-à-dire iPhone, voilà. Et directement, suivez les instructions, hein, directement, on commence d'abord par activer ses données mobiles. Données mobiles, c'est-à-dire la connexion, on active la connexion tout simplement, voilà. Si tu n'as pas un téléphone Android, bien sûr, tu peux te rendre auprès d'un cybercafé, voilà, tout simplement. Hein. Et tout simplement, après avoir activé les données mobiles, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve sur YouTube, voilà, quand on clique sur YouTube, tout simplement, voilà, comme ça affiche là, vous allez voir, c'est en train de charger. Dès qu'on clique sur YouTube, d'accord, ça affiche... Voilà, comme ceci. Allez sur YouTube. Après avoir cliqué sur YouTube, voilà, vous allez voir ici au-dessus, sur YouTube, vous allez voir où il y a la, voilà, ici où il y a la recherche. Voilà. Ici, il y a la recherche. Dès qu'on clique sur la recherche, on tape Boakai Solomon Comédie.
Voilà, voilà, vous avez vu quand vous tapez même Boakai Solomon Comédie, il y a des propositions, il y a Boakai Solomon Boakai avec des titres, des films que Boakai Solomon Comédie a eu à faire. Voilà, il y a même Boakai Production qui affiche, voilà, vu que lors du téléchargement, voilà, il y a des titres, voilà, qui se proposent, voilà, et tout, voilà, on tape sur Boakai Solomon Comédie, vu que c'est ça qui nous intéresse, voilà, Boakai Solomon Comédie. Voilà, là ça serait déchargé. Là ça charge, là ça charge, là ça charge, là ça charge. Voilà, là ça a affiché Boakai Solomon Comédie, tout simplement. Voilà, à côté vous allez voir Boakai Solomon Comédie. Ah, tout simplement. Là vous avez vu. Là vous n'êtes pas encore abonné. C'est pour ça que ça c'est écrit s'abonner. Voilà, ça veut dire tu dois t'abonner. Tout simplement. Là tu cliques. Voilà, tu vois là tu as cliqué. C'est déjà abonné. Voilà, il y a une différence maintenant entre au départ et maintenant. Voilà, et à côté vous allez voir une cloche. Voilà, la cloche qui est juste à la droite là. On se pose la question de savoir pourquoi cette cloche. La cloche c'est pour être au courant de toutes les activités de la maison Boakai Solomon Comédie, de la Boakai Production, voilà et tout et tout. En fait, parfois tu peux être abonné sur une chaîne YouTube, voilà, par exemple, abonné sur la chaîne de Boakai Solomon Comédie. Mais pendant que Boakai Solomon Comédie met une vidéo en ligne, toi, tu n'es pas au courant. C'est quand tu vas te rendre sur YouTube que tu vas dire, hey, donc Boakai Solomon Comédie a une vidéo que je ne suis pas au courant. Mais avec cette cloche de notification, c'est très simple. Voilà, voilà, on va voir, il y a trois étapes, il y a tout, il y a personnalisé, il y a aucune, voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est tout. Tout pourquoi ? En cliquant sur tout, on sera au courant de toutes les vidéos que Boakai Solomon Comédie va poster sur YouTube. Ça veut dire même si tu as encore dormi, dès que Boakai Solomon Comédie poste une vidéo, même si c'est à 3h du matin, même si c'est à 4h du matin, même si c'est à 1h, blablabla. Vous allez voir sur la chaîne, il y a plusieurs types de vidéos, par exemple. Voilà, vous avez vu par exemple ça c'est Anangoulave, Four Fest, la parodie de Boakai Solomon Comédie, voilà. Tout simplement, tu cliques là, ça joue. Voilà, il y a plusieurs vidéos. Voilà, on monte, on redescend. Vous allez voir plusieurs parodies. Voilà, vous allez voir des courts-métrages. Voilà, vous allez voir tout ce qui va avec. Les drôles de gags. Voilà, vous allez voir même les micro-trottoirs. Voilà, et tout et tout. Vous allez voir la série Les Frères G. Voilà, et tout et tout. Voilà, voilà, on monte. Voilà, plusieurs vidéos. Ainsi de suite. Mais il y a un problème qui se pose, c'est que en voulant cliquer par exemple sur abonné et ça refuse. Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire on n'a pas un compte Gmail. Ça veut dire on va d'abord aller télécharger Gmail par exemple sur Play Store. Voilà, on crée un compte Gmail sur un nom par exemple de Boakai Solomon et tout. Voilà, maintenant on crée un compte Gmail. Là maintenant automatiquement vous avez un compte Gmail. Vous utilisez maintenant ça pour vous abonner sur YouTube. Merci encore une fois de plus les fans. Merci, abonnez-vous massivement. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez aimé. Partagez, ne soyez pas chiche, abonnez-vous massivement, partagez, commentez, laissez-nous les commentaires, c'est ça qui est important parce que ça nous permet d'avancer plus. Restez scotchés, le meilleur reste à venir. Boakai Production.